Ce soir, je vais vous emmener dans The Eternal Cylinder. Pourquoi? Parce que je l'aime, ce jeu. Oui, j'en suis fou. Alors, pour les jambes fraîches, mon démoulé, qu'est The Eternal Cylinder? Ça part sur une base simple, hein, jeu de la vie, évolution, tout ça. On a des persos qui mutent, qui peuvent être plusieurs. Puis en fait, ça part en couille. Parce qu'on a ce cylindre qui nous part aux fesses régulièrement. Et on est confronté au fait de devoir avancer dans le décor. Et on sait pas ce qui nous attend plus loin. Et il peut nous attendre des décors relativement simples, comme un désert, et puis des trucs un peu comme ça, avec plein de choses de partout. Donc, ça fait une deuxième problématique sur le jeu qui mène à faire beaucoup de plateformes. Et puis aussi se barrer ou lutter selon les gens qu'on rencontre. Oui, il y a des gens sympas ici, mais il y en a d'autres, ils sont vraiment pas. Je vais vous faire voir si j'en trouve. Ils sont pas cool. Genre un beau point de vue. Enfin bref, on n'en a pas sous la main, et c'est tant mieux, moi je dirais, s'il y en a un là-bas, regardez. Je sais pas qui c'est, les... Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, c'est un truc qui fait démuter, il a un rayon jaune, on va éviter sa compagnie, ce sera très très bien. Oui, parce que vos mutations, elles sont pas définitives. Sauf... Oui, il y a une bestiole bizarre là-bas, hein. Ouais. Je vous la garde pour après, j'expliquerai après. Sauf pour... On l'a pas vu. Sauf quand vous faites la recette qui est marquée par exemple en haut à gauche. Si je trouve un schmurgle avec du blug et du slaff, eh ben je pourrais acquérir cette évolution de manière définitive. Et même les rayons jaunes des machines ou créatures qui essaieront de nous démuter ne pourront plus rien faire. Elle est définitive, notre mutation. Oh là là, il y a plein de gueules d'amour ici, ça va être le bordel. Maintenant, on va passer au problème suivant, qui explique l'intitulé d'ailleurs de ce stream. Oui, la guerre du testicule. Je déconne même pas. C'est ça, c'est notre problème. Alors, pourquoi le testicule? Vous allez vite comprendre. Ça a pas l'air cool, hein. Et ça ne l'est pas, je vous rassure tout de suite. Alors, la stratégie. Je peux la dire avant parce que j'ai fait l'autre fois quand je suis arrivé dessus. Le temps de comprendre un peu comment ça marchait. Et puisque sans comprendre, on peut rien lui faire. Il est inatteignable, le gars. Il va jeter des pierres, ces pierres-là d'ailleurs, je crois. Plop. Le but, c'est de lui les rebalancer là-bas dessous. Et ça devrait le calmer. Mais est-ce que ça va être lui? Ça, je ne sais pas. Plop. On va ramasser ça. Et on va lui balancer. Merde. Oh, on a pété. Enfin, j'ai pété. Enfin, je dis le on royal, mais il est réel en fait. Hein, parce que. Oh non, pas la bobine de Tesla. Je vais déjà voir un cadavre, moi. Alors, j'ai pas eu le temps de lire ce que nous disait le joyeux commentateur. J'ai juste eu le temps de fuir en fait, tout bêtement. Et je vais essayer de récupérer ça et de lui balancer sur la gueule. Poussez-vous, les gars. Je gère. Ça lui fait que dalle, il rigole le mec. Hein. Je veux pas dire, mais je me casse, moi. J'ai plus d'énergie. Ah, ça marche pas, en plus il fait du vent. Hein. Et il nous vise avec ces trucs là, c'est pas terrible terrible pour notre matricule. On va bouger, bouger, bouger. Non. Bien tenté, gars. Alors, qu'est-ce qu'il me reste à lui balancer? Hop, 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 la bobine. On y va. Donc le boss est pas simple, soit il me manque une mutation pour que ce soit beaucoup plus aisé, soit je m'y prends très très mal, et je prendrai la deuxième option honnêtement. Il est pas au rendez-vous? Ah voilà. Oh crétin! Ouais c'est ça. Caillou, 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 vite, on en profite. Bim! C'est ça. Enfin, malin, je vois pas trop la malignité. Pour l'instant, c'est de l'adresse et un peu du coup de bol. Caillou, caillou. Et quand il n'y a pas de caillou, on l'a dans le quoi? Dans les oreilles, dans le... Ah, dans le dos.
Faut pas lui lancer ça, toussez-vous. Je suis en mission pour le seigneur. Ouh, ça marche pas le coup des Blues Brothers, on y va. Vas-y, fais bobine, bobine, caillou, 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 caillou. Vite. Vise. La visée, c'est un cauchemar, ça. Faut se le mettre à peu près dans le centre de l'écran et basta, quoi. Hop. Allez, les potes, on va l'avoir. On va l'avoir. Il fatigue, là, il fatigue, regardez. Il fait les petits yeux. Il va être chiant, il va être supra chiant. Il va même être au-delà du chiant, je pense. On va là-bas, tiens, c'est mieux. Il y a plus de place. De là, à ce qu'on se prenne l'aggro de l'espèce de caméra là, qui a son faisceau rouge. Je donne pas cher, je donne pas loin, je donne pas long. Bon là, on va l'avoir. Putain! Calvaire, j'écris ton nom. Bon là, il y a plein de cristaux, ça va être bien. Les gars, faites comme moi, ramassez des cristaux, mettez-lui sur la gueule, ça peut servir. Soyez pas... Oh, il s'est barré mon cristal. Vise. Putain, pas bon. Si, j'ai entendu je croingue. Ça peut être pas mal. Oh là là, faites gaffe, il y a le crétin à caméra rouge. Qu'est-ce qu'il fout là-bas, on sait pas. On sait pas où il va surtout. Si on se prend l'aggro dessus là, ça va être terrible. Non, 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 on n'a pas signé pour ça, les mecs. Yes! Oui! Oh oui! Oh oui! Objects that have fallen from the unifier's head must be the ingredients that Trebum needed for the mutation. On a mérité de manger un bout, les gars. Ah mais on se pète le bide là, c'est jour de fête. C'est la paye. Qu'est-ce que quoi ça? Les poteaux, faut qu'on essaye. Et il arrive, il arrive. C'est l'archi. They would need to find the largest crystal formation in the area. That would be their best chance at tricking the mathematician into absorbing them. Bon, pour l'instant, je fais un peu de la merde, mais on va y arriver. Chaos, c'est un malin. Les gars, venez là. Je vais vous faire la distrib. Hop, vas-y, prends-en un. Tranquille. Mute. Zut. Voilà. Hop. Ah, c'est vrai que t'es full, toi. On va tirer ça qui sert à rien. Qui a pas eu sa mutation. Oh, comme ils sont beaux. Vous avez muté, les gars? Ah, je suis pas sûr. Hein. Il me reste un qui a pas muté. Lui là. Deline. Deline, faut qu'on récupère quelque chose pour toi. Sinon ça va pas bien se passer.
Merde, je peux pas y prendre ça. Pas tout de suite. Plop, moi je veux ça. C'est bon, on est tous mutés, les gars. Yes! Je vais prendre ça pour la route, hein, du coup. Ouais, j'ai une bonne Dream Team, là. Donc, qu'est-ce qu'il m'a dit le narrateur en background pendant que j'étais en train de faire ma cuistance, là? Parce que l'objectif, c'était de se faire choper par le. C'est fait. Par l'architecte, le grand architecte. Oh là là, ce jeu, les gars. Vous faites pas ça. Pour que Monsieur K arrive à être perdu à ce point-là, c'est faut envoyer du gros quand même. Ah, oh, on est revenu là. Je connais les gars, suivez-moi. Once again, the Trebon had returned to the strange place of the giant's dreams. There were more mysteries to uncover. Avec une musique par Ruichi Sakamoto. Alors je vais lire un petit peu avec vous parce que j'aimerais bien comprendre. The song of your people is rich and beautiful. Before the cylinder came, each generation passed on its memories to the next. And so you learned to avoid repeating your mistakes. Slowly, you discovered the secrets of your world. You built great cities full of wonders. And then you sang to the stars to find others like you to share in the joys of existence. When you sang to the stars, there were many who heard you and raised their voices in song. Most are gone now, save for the Trawana, your oldest friends. When we heard your song, it was already too late for us. The cylinder was upon us. Nothing we could do. But we are not that different from you. We are also not strong or fast, and we don't have sharp teeth, but we are stubborn. Non, mais. The cylinder creates its minions from pieces of what it absorbs. So we found a way to help you. All of us together, these fragments of my people. The memories of your ancestors. And what's left of all those others who shared our fate? A conspiracy of ghosts to sabotage the cylinder and give you a chance. There is more to be found, memories to be reclaimed, and what you need in order to. These moments of strength are rare. I am only. But the voice could not continue. Once more, it was only a memory. En tout cas, le boss précédent était super fatigant. Et le combat pas vraiment intéressant du même coup. Qu'est-ce qui va nous attendre? Alors à chaque fois qu'on se fait un trip dans le grand architecte, ça fait un peu bizarre à la sortie. Parce qu'on nous largue pas dans un truc confortable. Ouh, c'est étrange, ça a l'air bien. Enfin bien. Gentil le cylindre, gentil. Si on recrutait des membres, les gars, parce que là on est 5, mais normalement on peut monter jusqu'à 7. Et vu comment on se fait mettre sur la tronche, je pète mes 10 ans, salut toi. Plus on sera nombreux, plus on aura de chances de survie. Pour rappel, le Trebum n'aime pas l'eau, mais alors pas du tout. L'eau c'est... Ah, ça y est, il nous a pris en agroulé. Planquez-vous là les gars. Venez là, venez là, venez là, il va foncer comme un con, il va s'éclater la tête.
Bon, il voit plus rien, c'est bien. J'étais en train de dire, oui, le Trébum aime pas l'eau. Faut le savoir. Donc nager jusque là-bas, c'est hors de question. On peut rigoler avec des créatures là, faire les cons. Mais ça s'arrêtera là. D'ailleurs, on va prendre du poisson pour voir ce que ça fait. Je vais tirer ça, j'en ai pas besoin. Et on va se slurper un poiscaille. Ou je sais pas ce que c'est, mais on va le slurper. Tiens. Ça m'a pas fait muter. Oui, secrètement, j'avais un peu beaucoup l'espoir qu'on puisse muter et se choper une petite mutation sympa qui permette de faire un truc sympa. Et bah non, même pas. Mais je vais tous les récolter quand même parce que je suis Monsieur K. Et Monsieur K fait toujours n'importe quoi. Avec qui on va prendre comme leader là? Jemu. Ouais, en plus il a de la place, Jemu. Il faut qu'il évolue. Plop. Ça, c'est la classe. Où est-ce qu'on va aller du coup? Alors, ici on est dans une zone où on a le champ magnétique qui nous empêche de passer tant qu'on n'aura pas fait quelque chose de très précis. Les guides bleus nous indiquent que dalle. On a une côte qu'on peut longer. Ouais, c'est ce qu'on va faire d'ailleurs. Donc l'autre Zaz revient nous prendre en aggro. Puis on va voir ce qu'on peut peut-être récupérer. Peut-être même un autre membre, allez savoir. Ça serait chouette, récupérer un autre membre. J'en prendrais bien la fourrure, moi. On était beau en fourrure. Qu'est-ce qu'il y aurait là? C'est une entrée de quelque chose? Non, il faut vraiment explorer. C'est le côté assez génial du jeu d'ailleurs. C'est à base d'essais et d'exploration. Et ça marche vraiment d'une manière surprenante par rapport à ce qu'on avait l'habitude de connaître. Bon, pas grand chose d'intéressant de ce côté des Amiches. Je propose qu'on aille de l'autre, hein, du coup, on n'a pas trop le choix. Je m'attendais à ce qu'il y ait un passage quelconque ici. Ça, on dirait une des cages dans lesquelles il y avait... ouais, c'est ça. Il y a les bestioles qu'on peut récupérer. Mais là, point de bestiole, peau de balle, que dalle. Alors moi, je veux bien tenter la flotte, mais on va avoir des soucis. Hein. Parce que là, il y a l'air d'y avoir des petits îlots. All they now needed to do was to catch a specific kind of fish, which would allow them to acquire the wonderful ability to swim without ever getting tired. Ah, ça on doit avoir. C'est ce que j'ai récupéré probablement là. Ouais. Il y en a un qui s'est fait choper, je crois. À moi la nage. Alors derrière, je crois qu'ils vont avoir des problèmes hein, s'ils me suivent et qu'ils n'ont pas muté. Mais normalement, une mutation que je prends, elle est valable pour tout le monde. Et on va bien en profiter de ça, les amis. Alors j'ai pas un mode turbo dans l'eau. Oh, des taches d'huile. Ce jeu. Et là-bas, on sait pas encore ce qu'il y a, mais on peut déjà observer au loin. Des créatures qu'on n'a encore pas vues et qui vont être un régal, je présume. Ça suit derrière ou bien? Je vais changer de leader puisque c'est comme ça. Ah, il y en a un qui arrête pas de se faire choper. Lui, il récolte. Ça va être notre récolteur. Il s'est fait recracher comme une merde.
Oh, pechouille! Non, 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 tu prends pas l'autre! Non, 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 non! Il a chopé notre grand leader ou bien? Allez, c'est bon, c'est deux lignes qui lead, on y va. Ça fait un peu loin, hein? Ouais, ça fait un peu loin à patte. Mais bon, vous voyez un autre moyen d'avancer plus vite? J'en ai pas, moi. Cette épopée. Alors, mine de rien, il y a le côté épopée dans ce titre. Hein. Parce qu'on sait tellement pas ce qui va nous arriver. On est tellement prêt à rien que c'est vraiment une question d'improvisation pour qu'on arrive quelque part. Et le design toujours est complètement cintré. Il y en a quoi une petite dalle? Non, parce que je propose qu'on fasse un petit pique-nique là avant d'attaquer les trucs sérieux sur cette île, ils vont pas nous laisser peinards. Et l'autre il nous lâche plus l'agro là. Hein. Qu'est-ce? Oh la sale surprise. Allez ma horde, tout MT, l'ancêtre, il doit y avoir une entrée quelque part pour accéder à une cave. Et allez discuter avec ce tout MT. Ça va? T'es sûr que ça va? Ok. On va te laisser pour l'instant, hein? Parce que t'as pas l'air... Vu le poids, t'as pas l'air disposé à parler tout de suite. Ouais, aspire ça, ça peut être bien. Ça doit se bouffer. Alors, à quoi tu sers? Interagir. The Tremor were happy to find a friend resting on the island. However, they quickly realized he was not well. The Elder told them, "What a pleasant surprise to find a group of such brave little adventurers. Oh, I'm glad to see your faces before my end. I'm sorry to tell you that this structure will not ascend on its own. I was hoping someone might bring the lenses that power this palace before the cylinder came, but as I can see, you do not know of what I speak, and this is simply not to be. But fear not, there are other palaces in the waters of this great desert, and resting in the golden dunes of these marvelous plains, you will find the hidden treasures that can awaken and lift to their majestic heights the Trebon palaces that were once the pride of our people. Swim over to the other side and seek the Trawala that guards my brother's temple. He will explain what you must do. I wish you luck. Know that my spirit will dance and sing when you succeed where I have failed. Ok, la barrière s'est transformée, c'est plus une définitive maintenant. Merci dude. Ah, c'est dommage hein, pour les lentilles, on va voir si on le trouve en route. C'est vrai que maintenant on sait à peu près quoi chercher, des lentilles. Pour ces colonnes, enfin pas forcément que pour ces colonnes. Est-ce qu'on prend ça? Qui a de la place? Peut-être manger un peu ça, non? Toi, t'as de la place. Tu vas nous trimballer ça? Non, trimballer. Merci. Alors, on pourrait aller se faire les bonus, peut-être planquer là-bas. Oui, parce que le jeu vous laisse le droit d'explorer comme vous voulez. Et du coup, c'est assez marrant. Ouh là là, on va avoir des problèmes avec ça ou pas? On va se mettre dans l'axe du... Non, on va rester dans l'axe du truc en dur. Il y a un truc en dur là, en face, on dirait. On ira plus vite en roulant que en nageant. Parce que le cylindre, je pense que lui, il va pas. Les histoires de chrono, il s'en fout. Qu'est-ce que c'est que ça? Attendez. Regardez ce qu'on a. Les mecs, vous êtes prêts à souffler? Bah oui. Allez, suivez-moi. Avec moi, ensemble. Du coup, on va arriver vachement vite de l'autre côté avec ça. Par contre, j'ai perdu mes potes. Hein. Alors ça super chauffe apparemment.
On va éviter de rester trop à côté. L'autre, il nous a repéré pour le 4h. Oui, je vous ai pas dit, mais on était invité à manger. À être mangé. Ah, purée, non, 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 me dégueule pas dessus, gros dégueulasse. On a ça, on a le cylindre. C'est la panique totale. Non, pas encore. Mais ça pourrait ne pas tarder. Je prendrais bien un échantillon de ça si j'avais de la place, mais là... J'ai comme qui dirait d'autres urgences. Les gars, ma famille, ma horde. 1, 2, 3, 4. Au poil. Ce pylône, je pense qu'il va marcher. Ayez confiance. Regardez-les, ces abrutis qui se font défoncer. Et le gros, et le gros, et le baveux, là. On vomit moins, maintenant. Ah non, pas qu'il s'enfuit. Il va venir nous emmerder. Ouh, il y a déjà un truc qui passe au-dessus. Ouh là là, il vient vers nous. C'est pas bon. Et il est reparti. Cool. Le miracle de nos aïeux. Alors, qu'est-ce qui nous attend dans cette zone? Là, on crève de chaud. Donc, il va falloir trouver une transformation qui me permettrait... Voilà. De résister à la chaleur. Seule une mutation protectrice peut les protéger des rayons du soleil. Ardent. Eh oh, celle-là. The Trebum sensed that something was roaming the desert. Something that did not belong there. Non, c'est pas bon. Ok. Il y a beaucoup de créatures en plus, c'est pas bon pour nous. On va essayer de goûter des trucs. Ça se bouffe là, il y a de la bouffe. Non, ça bouffe. Faut pas qu'il nous emmerde. Et oh, il s'est fait courser par autre. Venez les gars, discret, discret. Prenez pas l'agro, nom de Dieu. On va se rafraîchir. C'est important. Oh putain. Ça va être le mode panique. Pas du tout. Regardez, on va se mettre à l'abri, à l'ombre là-dedans. Non, c'est une mauvaise idée. Ok, je suis d'accord. Roule. Oh, je vais le prendre lui parce qu'il est de bonne humeur. Muter maintenant, mauvaise idée. Ah, purée, c'est quoi? Non, me dites pas. Ne me dites pas. J'ai pas fini de muter. En plus, il avait une lumière jaune. Il m'a fait démuter, ce gros bap. Enfoiré. You kill my father, prepare to die. Oh, saloperie. Qu'est-ce que c'est que cette zone? Il fait de plus en plus chaud, c'est moi. Il y a de la lave. Il y a des grosses boules. Il y a ça. Et je vais le goûter tout de suite. Oh, je mute. D'accélérer d'un coup et de courir plus vite. Ouais, non, j'ai pas l'impression là. Qui est-ce qu'on pourrait choper, nom de Zeus? Regardez là, ça a l'air plus bizarre qu'ailleurs. Et pourquoi il y a des espèces de coquillages avec des perles dessus? Ou des champis, comme les champis qui poussent sur les troncs d'arbres? Et pourquoi autant de questions? Parce que... Et on va monter là-haut, comme ça on aura peut-être des réponses. Parce qu'il y en a marre des questions. Parlons pas assez, mec. Là. Oh, un œuf à faire éclore. Qu'est-ce que c'est? Oh, putain. Je suis fait voir. Attends, bouge. Je veux l'œuf, moi. On peut l'avoir sur un malentendu, regardez. Quand ils sont bloqués comme ça. Bouge. T'es dessus. Garde l'œuf. On se barre. Dans son quoi? Dans son boule. Ça, on va éviter de passer à côté. Je sais pas pourquoi, mais je le sens pas. Une couveuse. Filez-moi une couveuse, les gars. Non, pas lui. C'est le bon moment. Non, c'est le mauvais moment. C'est le sale timing, on va dire. Couveuse, trouvons une couveuse, les aminches. Vite, de préférence. Alors, les bestioles qui étaient là-haut. GG. J'ai été à la fois terrorisé et pété de rire. On va éviter de déclencher le gros machin, surtout quand on est à côté. C'est une très mauvaise idée, ça. Ah bah dis donc, il va se déclencher vite, hein, il est là, le mur. Ok. Les gars, touchez pas ce mur. Hein, soyez sympas. Pensez aux collègues. Trouvez plutôt cette couveuse. Hein, ce serait sympa. On aurait un nouveau trébum.
un nouveau membre dans la famille, ça fait toujours plaisir. Parce que je vais pas courir avec un œuf dans le bec. Un, ça se fait pas. Deux, je pourrais le casser. Et trois, ça va surtout me ralentir et je vais finir sous le cylindre. Oui, à n'en pas douter. Couveuse. Où c'est qu'on trouve une couveuse, les choumes? Il y en a un qui est le hockey derrière en plus. Yes! Amour, paix, gloire, etc. Alors, j'ai Doline, j'ai Chaos, j'ai Tonton JP normalement, et lui on va l'appeler, pour rigoler. Hein. Ça ira bien, non? Puis je pourrais me moquer un peu de lui. On continue, les gars, on continue. Donc voilà, un nouveau membre, JDG, qui va nous aider. Et maintenant, la vie va être super. Et on vérifie si on n'a pas d'autres bonus par là. C'est vraiment très mal fréquenté, on s'en va. Non, eux, ils sont pas cool. Mais ils se rallongent jusqu'à quelle distance, sérieux? Il vient nous chercher dans le désert, le mec! Laissez-le, il fait son intéressant. Mais les bourgeons aussi font des trucs. Oh, ils sont complètement dingues sur les concepts de bestioles, quoi. On y va, les gars. Est-ce que je prends celle où il y a la lumière là-bas? On verra. Ça me tease un peu, mais. Comment dire? On va passer pas loin, mais on va pas passer dedans, c'est sûr, parce que j'ai pas confiance. Moi, je serais toi, je courrais, gros. Nanananananananana. Splof. Oui, aïe, aïe. Hop, on y va. Attention, le lac est de pas clair. On est obligé de passer pas loin, je sens. Alors faut aller vers la porte bleue de préférence, la rouge n'étant pas active apparemment. Je regarde même pas où en est le truc derrière. Oh, je prendrais bien une mutation de ça. On a pas le temps. On a super pas le temps, les mecs. Faut pas que j'arrête de rouler, sinon on est mort. Mais on est vraiment mort, quoi. À la seconde. On a perdu quelqu'un. Qui c'est qu'on a perdu? Doline, Chaos, JDG a survécu. Mais ça voudrait dire qu'on a perdu Poulpi? Non! Oh non! Bring back Poulpi, Poulpi, désolé. Oh, quelle horreur. Tristesse et tout. On va manger pour la peine. C'est toujours bien de se consoler. Salut. Ils font coucou à la caméra, ils sont trop cons ces trucs. Bonjour. Oh, j'ai réussi à en prendre. Mutation. Raven peut faire une attaque pilon en appuyant sur le bouton saut en cours d'un saut. Yeah! Ah, je vous conseille ça, les mecs. Allez-y, servez-vous. Hein. J'ai tous les équipés avec. J'aimerais bien attaquer ça en attaque pilon. Yes! Ça sert à ça, j'ai réussi à en éclater un. C'est une mutation? On n'aurait pas dû. Les mecs, prenez pas ça, je vous le dis tout de suite. Ça sert à rien. Regardez, j'ai l'air d'un con maintenant. Je voudrais bien cancel ma mutation. Je peux même plus bouger. Ah, c'est temporaire. C'est effrayeur. Alors, c'est quoi ce truc? Je pense que c'est les lunettes d'un des développeurs qui a dû tomber dans le jeu. Structure made of glass and metal was gazing at the sun. Was this one of the lenses the Elder had mentioned? Without the knowledge required to use it, the Trebon would have to leave it behind.
Oui, j'ai repris ma voix du mec complètement gâteux devant ce jeu, parce que qu'on soit adulte, qu'on soit môme, on peut pas anticiper les trucs et on découvre. Et c'est hallucinant en fait. Parce que les mecs, sur la DA, on peut pas dire que ce soit tout le temps cohérent, quoi. Ça a ni queue ni tête à des moments. Et les mecs sont allés au bout de leur trip. Ils ont fait, mais non, on s'en fout, on fait des créatures qui font ça, basta. Après, c'est aux joueurs de se démerder. Et tout cet ensemble, toute cette alchimie fonctionne comme ça, aussi bien. C'est terrible. C'est une grande leçon de jeu vidéo, je trouve. Parce que faire un simili open world avec un simili jeu de la vie, avec des simili-énigmes. Ce jeu est un simili, quoi. C'est l'éternel simili. Mais c'est des moules. Oh, il y a un truc au milieu. T'énerve pas, il y a un truc au milieu, c'est cool. Tiens, peu de bol, c'est un nouveau membre à recruter. Qu'est-ce? Ça s'éteint avec... On peut se faire un sauna. Ils se roulent dedans, carrément. Bon les gars, vous êtes trop indisciplinés, je vous sors plus. C'est pour la route, prends des provisions. Allez mordre, on rentre là-dedans. Et que ça saute. Ah putain, en plus on a une aggro. Je l'avais pas vu arriver l'autre. Il a pas le droit de rentrer dans le temple. Un temple! Ouais, un nouveau temple. Il semblerait, ça me suit. Oui. Il faut lui cracher de l'eau sur ses serpents. Ok, on va faire ça, bonhomme. Salut. Je suis désolé, on va te cracher de l'eau dessus. Non, c'est pas sur toi, sur les serpents qui sont là-bas. Je les vois pas, hein, mais on va le faire. Oh, ça marche. Non, c'est pas ça. Ouais, s'il me revoit, ça rebloque. Ok. Ok, bien compris. On va ramasser ça, ça pourrait peut-être servir. Arrête de faire le con. T'en as assez pris. Après, ce sera trop, tu vas regretter, tu vas être pas bien. Tu vas être ballonné. Alors celui-là, faudra sauter pour désactiver la barrière. Et les gars, sautez, faites comme moi. Faites comme moi. Faites comme moi. Pourquoi vous voulez pas faire comme moi? Vous êtes bien chiant. Contre le mur, il me voit pas quand je longe. Ah, c'est malin ça. Presque. Tu sais que tu te bats contre un développeur, lui il pense à plus de trucs que toi. Et oui, je sais. Alors, hop, hop. Faudrait que j'en bouscule un quand je saute, mais je peux pas être plusieurs à la fois. Et comment j'explique à mes collègues qu'il faut faire ça? Collègue! Collègue! Oh yes! Je sais pas ce que c'est ça. Mais on va le bouffer quand même. Est-ce que c'est moi qui vais le bouffer? Oui, bah y a pas le choix, les potes sont dehors. J'ai avalé quoi là, je sais pas. C'est juste de la bouffe. Ouais. Mec, vous venez? Putain, ça va être le bordel. On va pousser ça. Aidez-moi. L'eau, ça marche pas terrible. Aidez-moi, nom de Dieu, c'est moi qui fais tout à chaque fois. Non, non, non. Faut pas qu'il nous voie. On pousse ça avec de l'élan. Hop. Enfin. Les mecs. Qui veut se faire goûteur? Non, t'es full. Ah, tonton JP. Tonton JP, gros estomac. Alors, ça a quel goût ce truc? On va essayer. C'est une mutation. Permet au Treban de cracher un nuage de fumée pour se cacher.
Oh, génial! JP, tu vas être le héros de ce niveau. Parce qu'il va falloir qu'on se dissimule. Et voilà, dans un nuage de fumée. Plof. Alors, faut attendre que ça se recharge. Ah non, faut que je reprenne carrément. Non, attends, c'est pas ça. J'en ai gaspillé un, hein, il me semble. B. Voilà. Ah, moi je moufte plus là, ça m'intéresse. Je suis devant le jeu, je suis scotché. Je me demande ce qu'il nous réserve comme connerie ensuite. Et j'ai des grands yeux écarquillés de môme, ça c'est clair. Alors il y en a un qui nous voit à temps partiel là-bas. Ouh là là, avec une forme prédécoupée, ça veut dire que. Oh là là là, ça va être terrible. Il y a le coffre là. Tu l'ouvres ton coffre? Non, il veut pas. Il y a une hache-tuche. Oui, il y a une hache-tuche, bien entendu. Alors, je rappelle que les cristaux, c'est fait pour. Ah, ça passe. Attends. C'est une passerelle vraiment qui se matérialise? Ok. Alors, regardez ce que ça donne, hein. Merde, je suis tombé où moi? Oh, je suis retombé en dessous! Tuez-moi! Oh, je suis retombé tout au début, sérieux. Et le truc s'est refermé. On va changer de trébum. Ouais, cool. Ça marche bien. Ça, c'est ce qui sauve la vie dans ce jeu. Quand vous êtes vraiment coincé, ou qu'il y a même un clipping qui se passe mal dans le jeu, vous avez toujours la possibilité de swapper de trébum. Et du coup, bah, c'est jamais vraiment bloqué, même si vous arrivez à tomber sur un bug du jeu. Et ça, c'est quand même pas mal fichu. On va regarder cette histoire de découpage là-dedans. Pourquoi il est là, ce découpage? Parce que... là, je peux être devant ça. Ok, je vais bouffer ce que j'ai, hein. Ça. Et on va aspirer ça. Je vous en ai lâché un, les mecs. Prenez-le. Ça peut être bien. Pardon. Ok, je peux rien faire. On va essayer la passerelle. Le coup de la passerelle, ça nous intéresse aussi. Donc quand on passe devant ce truc, tant qu'on est dans son champ, on est susceptible d'être pris par la passerelle. Non. Deline est toujours coincée en bas. C'est triste. Pour elle surtout. Pop, pop, pop. Soit logique. Ah putain, oui, il faut rester dans le rayon. Ok. Donc ça veut dire que pendant l'ascension, il faut monter en marche arrière. Pour être bien sûr que le rayon... Voilà, suit le découpage. Et qu'on n'ait pas trop de sous-sail. Il y a même la petite ombre... Une ombre projetée sur un rayon, c'est original. Là, on est bon. Que je fasse de zigzag. Hop, hop, hop. C'était juste. Ça a failli. Trouver le frère de l'ancêtre dans le désert. Et du coup, le mur est passé de rouge à bleu. Et il nous invite à le franchir. Mais nous, on n'a pas super envie. C'est quoi ça? Par la droite, ça ne passe pas. Par la gauche, ça passera. Je pense que c'est étudié pour qu'on traverse une fois sorti du temple. Donc là, on est plutôt pas mal. J'espère que c'est la bonne tour. Parce que si c'est une autre, il va falloir improviser avec... rapidement. Et il nous largue ça en bonus. Super, merci. Go les gars, go! Suivez-moi!
Comment ça, je passe au pire endroit dès le début? Ouais, c'était pour voir les gens qui suivaient. Tour, 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 tour. Elle est rouge. Il nous faut une tour bleue, les mecs. Les mecs, c'est une tour bleue qu'il nous faut. Où qu'elle est? Oh, il y a une couveuse ici. Ça se trouve, il y avait un œuf. Et en plus, on est en latéral. Et je remonte. Ouh là là, on n'est pas arrivé. Non, c'est pas bon, ça. C'est pas bon. Vacherie. Ça passe. Ça passe, mais il va falloir avancer un petit peu plus vite. Alors mon Trébum a toutes les peines du monde à avancer. Il se traîne. Il sort son mode boule toutes les 3 secondes. Et derrière, j'ose pas me retourner parce que je sais très bien ce qu'on a derrière. Nanana. On va suivre ces gens. Ils ont l'air de savoir où ils vont. Non, je crois pas. Ils savent pas du tout où ils vont. On a un problème avec notre histoire de tour là. Il y a la roue. Ah, qu'est-ce qu'elle va faire? On va voir. On est loin de façon, ça peut marcher sur un malentendu. Ah, je vous laisse. Putain, putain. On n'est pas passé. Ah, on n'est pas passé dans la tour. Le gag n'est pas fini. Ouais. Everything. Gonna be pas alright du tout. Monsieur K va-t-il mourir, écrasé par l'avancée inexorable du grand cylindre? Vous le saurez tout de suite après cette coupure publicité! This is Odyssey, the new electronic game simulator. You attach Odyssey to your television set in seconds to create a closed circuit electronic playground. Odyssey is tennis, roulette, football and hockey, analogic, and geography. Odyssey comes complete with 12 electronic games and educational experiences. Many more are optionally available, like a shooting gallery, a prehistoric safari. Odyssey is an electronic teacher. Odyssey is a total play and learning experience for all ages. Odyssey. It's new from Magnavox. Odyssey. Repose-toi, repose-toi. Il va y avoir des bornes à faire. Donc on trace plutôt de ce côté. Allez, on va dire ça. Go! Comment ça, je suis pas obligé de faire les petits indiens, tout ça? Ah, on s'en fout. Allez, Viti. Allez, Viti. Viti, si t'es champion, ta base, ta base. Viti, si t'es champion, ta base où il y a pas de l'eau en tout cas. Où il y a le canyon. Oh, c'était lent cette rime aujourd'hui, dites donc. Alors les curseurs qui s'allument, c'est parce que je peux mettre une analyse sur différentes bestioles avec ce Trébum qui a cette faculté là. Mais dans l'immédiat, je peux vous garantir que c'est pas la faculté qui m'intéresse. Oh que non! Nous, ce qu'on veut, c'est passer en face, tracer, avancer. Et j'ai toujours pas repéré de... Oh putain, le bordel. J'ai toujours pas repéré de... C'est quoi ça, le truc bleu là-bas? On ne sait pas. On ne saura peut-être jamais. On ne saura sûrement jamais, d'ailleurs. Il vous... Avance. On saura peut-être. Il y a un passage. Il y a un passage. Suivez-moi, ma horde. On est assez nombreux. Oui, on est assez nombreux, normalement. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Quoi? Il y en manque un? Non, 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 non. On est bon? On est bon. Ouvre-toi, putain de truc! Attendez, je vais voir un truc. Il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème, les gars. À la maintenance, ils m'avaient dit ça passerait. Mais non, ils m'ont menti. Le cylindre! Alors, le truc s'enfonce, mais il n'y a rien qui se passe. Mais alors, absolument rien. Peau de balle, que dalle. Serait-ce parce qu'il n'a pas encore anéanti la tour à droite? Vous le saurez après un nouveau spot pub encore. Hello.
Hello, citizens of Europe. As spokesperson for SAPS, the Society Against PlayStation, I'd like to talk to you about a menace threatening humanity. It's happening right here, in our very homes, and corrupting the lives of our loved ones. Yes, friends, I'm talking about this. It may look like a harmless bagel toaster, but inside is a deadly donut. How do you know PlayStation is not a normal game system? It carries these telltale signs. Scientists say its effects are mind-boggling. Users lose all sense of reality and enter another world. Here we have a normal, healthy young man. And here we have a fellow who's been experimenting with PlayStation for only a few minutes. Proof that we saps must be on our guard. Remember, do not underestimate the power of PlayStation. C'est osé ce qu'on fait les mecs, mais on va le faire jusqu'au bout. On est quoi? On est des trébums! Et on fait quoi? On survit? Ouais, c'est bon ça. S'il pète la tour, ça s'active. Et on peut rentrer? Ouais! Parce qu'on n'aura pas le temps de fuir, les mecs. C'est pas grave. Doline, t'es d'accord? Ouais, je suis d'accord. Chaos, t'en dis quoi? Ouais, c'est pas crédible, ouais, je sais. Ah putain, non! Bah oui, c'est pour ça qu'on veut ça, nous, on veut l'activer, les mecs. Hop, 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 revenez là, les gars. Ça ouvre toujours pas. Je n'ai pas compris cette fake ouverture qui... Go. Alors, elle est rouge, cette tour. Ça veut dire qu'elle arrêtera rien. Mais si au moins on l'active, elle retardera. L'espoir fait vivre, tout ça, ouais. C'est ça, oyez, oh yeah, oyez. Oh yeah. Gentedame, dame oiseau. Il est où le gros? Et il nous balance ça en bonus parce qu'on est des mecs sympas, on faisait du tourisme. Mais... Puisque c'est comme ça, on prendra pas de carte souvenir. Ah, faut pas qu'on se le prenne en agro, il va nous gonfler. On est presque bon là, les gars. Ah, ça y est, on l'a en agro, c'est réglé. La girafe là-bas qui fait n'importe quoi, je veux pas savoir ce qu'elle fait. Hein? Go! On va espérer qu'elle tienne un moment ce tour. Parce que on est super mal barré. Est-ce qu'elle est passée au bleu? J'y vois rien. Oui, on dirait. Alors si c'était juste la tour activée et qu'on a tracé un peu trop comme des furieux. My bad. My bad. Parce que j'étais persuadé que ça aurait servi à quelque chose. Hop, on se casse discret. Discret, mec. C'est notre leitmotiv aujourd'hui. La discrétion. Il s'arrête, lui, ou... Parce qu'il faut s'en inquiéter, quand même. Il peut y avoir une probabilité que cette tour ne tienne pas. Bien qu'elle soit allumée bleue. Ce qui est plutôt rassurant. Dans un univers normal. Yes! On va sauver un copain. Seeing the celestial Trawala, the Trebon were reminded of all the many creatures that had fallen before the cylinder. Oh putain, je lui ai donné les cristaux, mais il nous manque les... C'est du verre des sables, de rien avoir le coin. Of his siblings' fate, and the Trebon felt the weight of the bad news they carried. Quelle bonne news. Oui, j'aspire au bout du tube. Disons, il y a peut-être un fruit magique dedans. L'autre, on peut pas le libérer tant qu'on chope pas des vers. Et comme par hasard, il n'y a pas le moindre ver dans le sol. Est-ce qu'on fait comme dans Dune, on essaye de réveiller le truc? En plus, on est coincé là. On a un champ magnétique rouge. Ça veut dire qu'on va pas partir comme on veut. Observons la situation. Oh, il y a un truc qui nous indique le grand Sloar. Oui, je les appelle les Sloar, ces serpents géants là. Qui viennent de très loin. Eh ben allons voir, hein, le Sloar. Il y en a un autre qui indique par là-bas. Ah, Sloar d'abord, hein. Comme ça s'il est hostile, on mourra. Et quand on meurt, c'est rigolo. Et oubliez pas de trouver des vers, les gars.
Alors, si le sol se met à prendre des étincelles, ça veut dire que on est en train de se faire bananer. Ouais. Qu'on est en train de se faire repérer par lui qui peut nous électrifier. D'ailleurs, c'est ce qu'il est en train de préparer comme ça le coup. Les gars, descendez, c'est une très mauvaise idée. Alors ça, on est immunisé, le gaz, il peut y aller tant qu'il veut le coco. On s'en fout. Tu veux tout ce que j'ai pas, toi, t'es trop génial. Alors faut faire gaffe, parce qu'il peut peut-être nous électrocuter toujours, hein. Ça peut-être pas changer ça. Où c'est qu'il faut aller? Là, 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 vite. Come on, les boys. Cette fois, ça va être ouvert. Oh! Hello, t'y patauge. Non, mais tu te fous de qui? C'est qui, ça? C'est Chaos ou c'est Deline? J'y crois pas. Chaos, Deline! Mais... Oh! Gardez-moi ces nouilles. On est bon, on est bon. Malgré la sensation de chaleur, malgré la chanicule qui frappe, nous allons pénétrer dans ce temple. Au risque de nos vies. The Trebon would have to make good use of their abilities to overcome the obstacles before them. But who would choose to actually live here? Et du coup, dans ce jeu, la découverte est permanente, quoi. On s'ennuie pas. Même si les tâches sont un petit poil répétitives parfois, ça prend pas la flotte, ça. Comme ça, il fait moins chaud. C'est une idée hein, que j'ai eu. Après, vous faites ce que vous voulez, gars. Je voudrais bien ramasser de ces fruits. Ah, j'ai muté. Ouais, c'est une mutation, ça nous aidera peut-être à nous protéger. Non, même pas. Ok, my bad. Remplissez-vous l'estomac, les gars, c'est important de mourir l'estomac rempli. Et donc, je disais, ouais, The Eternal Cylinder, quand même, c'est un truc assez génial. Dans sa façon de bouleverser les standards du jeu vidéo. Parce qu'il mélange des gameplays qu'on connaît tous, qu'on a reconnus bien souvent. Et... Il les mélange d'une manière assez surprenante, vu comme ça fonctionne. Ah, je mute. J'ai une petite flamme au bout. Il fait déjà pas assez chaud, les gars. On y va, parce qu'on va tous crever de chaud ici. Ah! Je peux pas monter là. Alors attendez, il y a une blague. Est-ce qu'il y en a un qui a la transformation pour faire un méga jump? Non. Est-ce qu'il y en a un qui a la transformation pour gonfler? Non. Est-ce que je suis dans la... coincé? Peut-être. Et ça, ce serait moche. Va falloir qu'on parcourt un petit peu mieux ici. Alors, je sais pas s'il y a des trucs à faire. Attends, j'ai trouvé. C'est des pétards, ça, en fait. Viens là, toi, avec ta mèche. Bouge-toi. Yes. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ce jeu fonctionne extrêmement bien. Sans que ce soit expliqué noir sur blanc, que ce soit une évidence posée devant vous. Merde. Il est mort? Non. 1, 2, 3, 4, 5. Bon, on a ouvert de l'autre côté, c'est ce qui compte. Vite. Pauvre Viti, là. Ouais, reprend des forces. On va le garder en leader parce qu'il lui arrivait une misère et faut qu'il compense là, qu'il justifie que c'est lui le boss. Mais ouais, sans que ce soit mis en évidence, on arrive à piger toutes les énigmes et on tourne juste le temps qu'il faut et c'est quand même du talent d'arriver à faire ça. Alors ce truc est protégé par cette grille qui pourrait s'ouvrir si
il y en avait un qui avait une forme carrée, mais là tous les carrés sont épuisés. Qui a du carré? Les gars, quelqu'un a pensé à regarder? Parce qu'on va être dedans là. Mais vraiment. Non. Oh là là. Oh là 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 là, on est dedans. Il faut qu'on trouve du carré absolument, mes potes. Ah, papa, on en a. Bouge, toi. Bouge, 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 bouge. Alors, lui, il peut pas. Faut pas que je le jette dans la lave. Ça serait une cata. On va se jeter ce petit carré ici, là. Jette-le. Mais ils sont passés où, tous les trucs que j'ai jetés? Ah, papa, puis un bug. Ah oui, il y a eu un bug là. On recommence. Jette. Hop. Il y en a un qui va bouffer ça, les gars. Genre. Deux lignes avant de crever, parce que là, on n'est pas loin. Hop là. Pourquoi je peux pas me transformer en carré? Ah là là, il y a une embrouille. Je sais pas ce que ça fait, mais ça doit être vachement bien. Regardez. Parce que oui, il n'y a pas que la porte à activer, il y a aussi un autre truc. Kipo. Ça a mis une plateforme. Ce qui est vachement bien, mais dans l'immédiat, non. Et moi, celui-là est cramé. En passant par l'autre côté là-bas. C'est où les gars? J'ai une idée. I have the plan. Je suis Rick. Ça passe pas ici. Il faut passer tout au-dessus. Oh là là. Eternal Cylinder. Donc le jeu est quand même nanti de petites choses comme ça. Où il y a de la plateforme, de la réflexion, et c'est super agréable parce que ça passe crème. Ça ventile pendant l'exploration. Et ça prend un peu la tête du joueur, c'est cool. Il va me falloir un carréman là, les gars. Ouais, un carréman. Et pour avoir le carréman, il faut que je chope des carrés. Oh, la logique inéluctable. Les gars, qui veut s'y coller? Youhou! Faites pas les timides. Qui c'est qui a de la place? Allez, on y go. Bouge le gros, bouge. Si tu meurs, c'est ton problème. Hein. Moi, je suis pour rien. Et on va aller là. Il y a des carrés. Oui, parce que vous avez vu que là, il y a un truc qui fait des étincelles carrées. J'ai ce bouton qui est prisonnier, le malheureux. La logique voudrait que je me mette en forme carrée. Oh, bien joué. Plop. I am square. Problème. Comment partir d'ici? Et c'est là qu'il faut que je fasse réintervenir mon incendiaire de luxe. Il y a encore des trucs à cramer là. On va aller les cramer d'ailleurs. Donc ça c'est rigolo parce que le jeu, mine de rien, vous fait évoluer vers ce. Vers ce à quoi il est prévu, quoi. Mais dans les multiples possibilités qui sont offertes. Sans forcer la main, ça se fait très naturel. Et c'est assez génial. Oui, la lave, c'est quand même très très chaud, on va éviter. Alors, pourquoi je fais péter ça? Vous allez voir. Je le sais d'avance parce que je l'ai fait péter la dernière fois. Pour que ça fasse tomber ça et que mon pote là puisse traverser sans se cramer la gueule. Et on a besoin de lui vivant. Ah, mais il a déjà traversé? Mais c'est une star. Il est où? Il me fait une blague, le gars. Les potes, votre collègue, le carré là, il est parti où? Oh la gueublard, faut que je renvoie. Il a dû se suicider, se jeter dans la lave, je sais pas. Il a dû y avoir un gag dans le genre. C'est assez médiocre. Bon, toi, t'as rien de spécial, on y va. Ça, pourquoi faire? Bon, bien parce que c'est toi, mais. Poussez-vous, les gars. I have the plan. Toujours. Qu'est-ce qu'on bouffe ici?
Mais quand je vais revenir là, il va me faire réapparaître l'autre, ça me ferait rigoler ça. On y va. Oh, en plus c'est celui qui peut flotter, ça c'est génial. Ça va être beaucoup plus facile de traverser. Je dit-il. Bah ouais, mine de rien, regardez. Qu'est-ce qu'il est speed? Nickel. Qu'est-ce que tu fous là, toi? On t'attendait là-haut. Oui, j'engueule mes trébums, c'est normal. Donc, maintenant on a récupéré la forme carrée. On va pouvoir se mettre dans le socle carré. Et qu'est-ce qui va se passer? Le bouton. Alors, à quoi il sert le bouton? Ça, je vais pas vous le dire tout de suite parce que j'en sais rien. Poussez-vous les potes. Faut que j'analyse la situation de près. Ah, je suis full. Ok. Soyons full. Il était ce passage? Je commence à m'égarer un petit peu, oui. Non, il n'y avait pas ce passage, les amis. Qu'est-ce qu'on fout là? Oh là 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 là. On va laisser ce bordel. Et je vais prendre ça, ça a l'air délicieux. Delicious. M'en goûter une tout de suite, hein, je suis gourmand. Des fois que ça fasse muter. Non, ça va. Il y a un inter. Il y a des trucs là, un système de lentilles, c'est quoi? Bon les gars, s'il se passe quelque chose, je compte sur vous. Problème, quand je passe sur la lanterne, enfin quand je passe sur l'inter, la lumière est jaune, là, je vais démuter. Donc faut que j'envoie un tout pourri. Est-ce que lui est tout pourri? JP, tu m'excuses. On va dire oui. Allez. On y va. Vite, on change de gars. On s'en fout. Reste là. Bon, ils ont tous démuté de toute façon. Y'a pas besoin de pleurer. Oh, galère de galérien. Méfiez-vous, il y a des trucs bizarres, les gars. Bon, ça s'est ouvert là, ça c'est la bonne nouvelle. On va choper ça. Ah, peut-être pas tout de suite, non, pas tout de suite, ok. Mais on va le choper quand même. Parce que j'en ai pas des trucs comme ça. Qui veut choper ça? Qui? Il y a de la place. Oui, on va remuter un petit peu aussi, c'est important, parce que... un trébum non muté, c'est un trébum à poil. Et ça, c'est mal. Qu'est-ce que c'est ce truc? Ah, ça mute aussi. Ah ouais. J'hallucine. Je vous dis, le jeu n'arrête pas de vous faire halluciner. Vous êtes là, vous faites, j'ai tout vu déjà. Mais non, regarde, il y a la supravision qui va te faire apparaître des choses. Est-ce que ça sert un truc? Bah oui, ça doit servir forcément. Mais... le totel, l'ancêtre. Bon, là, on est sur la sortie du niveau, du coup. Oh là, il y a un bouton, il est super bien placé. J'ai vraiment envie d'aller chercher ce coffre. Le désir en moi est total. On va aller voir Totel d'abord, hein, puis on se fera ça en dessert. Yo, Totel, qu'est-ce que t'en dis? The elder saw sadness in the Trebum's eyes and gave them words of comfort. Do not mourn for me and my brother. I wish only that my end had been like his. For when we act in the service of others, we become greater than ourselves without losing who we are. I was afraid and stayed behind, and I am lesser for it. But I can feel the tremors in this cave,
And I know soon my brother and I will be reunited. So, let me help you while I can. You are here to learn about the great lenses that power a Trebum Palace. Wander in the desert, looking for the brightest glare you can find. Follow the glare until you find a great structure made of glass. You may have encountered one already, but to activate them, you will need a special mutation. The key to this mutation is held by the great Gar. Three lenses is all you need, and there are many left. Follow the glares, find the Gar, and you will succeed. It is a task fit for the great heroes of old. But who says that ordinary little Trebum can't be heroes? Ok les gars, on est en train de prendre un coup de chaud, je sais pas ce qui se passe, on y va là, c'est l'heure, hop hop hop. Bon tant pis pour le bonus, je le sens pas ce bonus, mais alors vraiment pas. Puis les coups de chaud, je commence à en avoir marre, et on n'a plus d'immunité. Non ! Bienvenue sur Koh-Lanta. Koh-Lanta version bestiole. C'est la sortie ? Sûrement, probablement, probably. Ça c'est pour y retourner. Ouais, mais on n'a pas envie. Suivez-moi les gars, il y a The Plan encore. The Eternal Cylinder. Je ne sais plus quoi dire sur ce titre. Ce jeu répond à toutes mes attentes et au-delà. Moi, j'avais prévu de partir sur quelque chose dont je cerne pas mal la structure quand même. Et je dois avouer que j'emmène pas large. Mais alors, pas large du tout. Fait chaud, là. On va boire un coup. Donc, les gars, vous vous souvenez de ce qu'il a dit ? Faut qu'on retourne à la lunette. Oui, le débris de lunettes qui brille. Et qu'on trouve le le gargarisme. Où il est le débris de lunettes? Il doit être vers un truc bleu, je présume. Ouais. Voyons ça de là-haut. Alors, il y a un pas content. Bon, les pas contents, on va préférer les éviter dans un premier temps. Oh, ça fait bizarre d'être dehors. Je commence à être en mode claustro à force d'être à l'intérieur. Lui, pourquoi il fait de la fumée noire? On ne saura jamais. Est-ce que c'est un mal? Peut-être pas. Alors pour les gens qui auraient raté les épisodes suivants, on a découvert quand même pas mal de choses. Notamment une faune très particulière. Avec de nouvelles bestioles. Qui sont pas piquées des vers. Est-ce que j'ai ça? Non, j'ai jamais ce qu'il faut. Je reviendrai. Il n'y a personne qui a ça. Les cristaux, de toute façon... Oui, les cristaux, on en a assez. Mais on n'a pas les feuilles de Flibulblut. Je sais pas s'il y en a autour. Regardez, c'est peut-être ça. Peut-être, on va voir. Flugdubu. Ça ressemble, ouais. On va se prendre un nouveau membre, hein. Ça se refuse pas. Plus on est de fous, plus on a de mutations. Plus on a de mutations, plus on est heureux, quoi. On a bon, là. Yes! Bienvenue! Bon, si tu veux pas sortir, c'est ton problème, hein. Tu saoules. Alors, peut-être que je suis à mon niveau max de Horde. C'est une proba. Quand même. Oui, je mets que des noms streamers. Donc du coup, bah voilà. Welcome to the band, Xerator. Et tu seras sympa avec Zoline, parce qu'elle est... Hein, elle peut être un peu... Tu lui dois quelque chose, quoi. Ok, on résiste aux hautes températures, c'est la bonne nouvelle. Est-ce que nos lunettes sont toujours par là? Il me semble qu'elles étaient par là-bas. Alors le niveau a... avancer, donc on sait plus où on est. Il y a une cheminée devant cette tour. Pourquoi faire? Ça, pareil, c'est une grande question. Est-ce que j'ai un Trebum qui s'élève? Ça aussi, c'est une grande question. Non, lui, il fait des... Il y a personne qui s'élève là-dedans. C'est quoi, ce bordel? On va faire quoi avec vous? Ça servait à rien, les mecs. Bon, va falloir continuer de muter. Alors, on peut pas monter là sans le...
le truc ascensionnel spécial. Voilà, on va pas aller loin. Donc on va éviter. Oui, je vous rappelle que dans ce jeu, je tiens absolument à y aller doucement. Parce qu'il me fait triper, quoi. Et j'aime y perdre du temps. C'est le bonheur, quoi. T'sais, vous êtes là, vous faites... Vous n'avez pas besoin de consommer des choses qui sont pas très légales. Vous avez juste à jouer. Qu'est-ce que c'est? Méchant, gentil, à manger. Moi, j'ai très envie d'aller dans cette vallée. Je suis supra curieux. Bon, les gars, on y va. Je veux pas mourir idiot. Alors, il y a un gros machin pas sympa là-bas, mais c'est pas grave. We will survive. On va aller voir là-bas. Ouais. La curiosité tue. Oui, enfin, ça, c'est un dicton. Hein, et... Il pourrait y avoir pire comme situation. Qu'est-ce que c'est? Je prends ça. Non, il n'y a rien à aspirer. Il n'y a pas de bonus, il n'y a que dalle. Il y a le mur. The wall. Another brick in the... Mais me suivez pas les gars quand je fais des conneries, vous savez bien que j'en fais tout le temps. Hop là. Explorons voir. Oh, de la bouffe. Qu'est-ce que c'est ça? Il y a des symboles. On va voir où ça nous mène. Si tant est qu'il y ait une issue. Quelque chose d'intéressant, de surprenant. Ah, ces créatures. Alors, si vous les avez pas vues. Parce que je sais pas comment je vais présenter les émissions. Je pense que je vais en faire une très grande. Et donc, vous les aurez peut-être déjà vues, mais elles sont trop délire. Yo. Ah, ils sont morts. C'est mort. C'est chouette quand c'est mort. Vous verrez pas cette créature d'action. Et c'est pas plus mal, hein, parce qu'elle est pas commode. C'est un espèce de mélange entre une plante un peu carnivore et un alien. C'est assez particulier. T'es morte? Non, elle est pas morte. J'ai entendu un truc. Qu'est-ce que c'est lui, quoi? Qu'est-ce qu'il fout là-bas, ce tribum? Michel, tu fais quoi? Il est pas de notre team? Mais man! T'es perdu? Comment cela est-il possible? Alors on est dans le désert, on a peut-être des visions, on voit des mirages. Mais ce trébum là, qu'est-ce qu'il fout tout seul? Il vient avec nous? Cool. Alors attends, mais j'ai dû merder quelque chose là. Ou alors je me suis fait une blague tout seul. Je peux pas le sélectionner lui. Il est non sélectionné. Ah. Vas-y. Mets-moi dessus. Oh, j'ai réussi à faire apparaître les points d'autorisation. Oh putain! On s'est fait avoir les mecs. On se casse. C'est un faux trébum. C'est un faux trébum. Ce jeu. Mais sérieux les mecs, arrêtez. On s'est fait entourloupe. Nous sympa, on voulait faire du recrutement. Et en fait, le truc, c'était un trébum total bidon. Heureusement qu'il s'est pas roulé. Non. Regardez la gueule qu'il a, il est improbable. T'es zoné, de toute façon, tu pourras pas venir jusque là. Nanana. Il vient, hein. J'en ai pour des semaines à rigoler de ce truc. Ok, on va éviter de franchir la barrière bleue. Ça pourra pas nous donner de choses agréables. Non, on va aller voir ce qu'il y a de l'autre côté du rayon, là-bas. Oh, damne, le coup du trébum in disguise. Il va falloir des semaines pour m'en remettre. Ah, méfiance. Ah, je peux l'analyser, j'ai le truc d'analyse. Je devrais analyser la bestiole qu'on a croisée. Parce que c'était très rigolo. Oh putain, il est là. J'arrive même pas à l'analyser tellement il est trop bien dissimulé. Il nous lâche plus, le gars. On va interagir. Comme si de rien n'était.
Est-ce que je ressuscite quelqu'un? Oh, j'ai bien envie de ramener Tupu. Je l'aime beaucoup. On va se ramener Tupu, hein, j'ai des sous. Hop là, on n'a plus de mutation, on n'a plus rien. On est les gitans de l'éternel cylindre. On va se prendre celle-là. Hein. Non, celle-là, elle est plus près quand même, mine de rien. Mais oui, elle est tendue du dos. Ça me compte à rien. Vite, 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 vite. Il va falloir décider celle de gauche, celle de droite. Non, celle de droite est très bien. Ah, avance! Oh putain, c'était dangereux de passer là quand même. Je crois que j'ai pas pris le chemin le plus pratique, hein, il me semble. Sauf erreur de ma part. On doit être bon. Go, 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 go. Je crois que j'ai quelqu'un sur les talons. Hein. Je me retourne pas trop, mais dans l'idée, c'est ça. Là. Là. On y va. On est bon. On va être bon. Peut-être. Sous réserve. Et là, si je dois traverser, il faudra que je traverse. Oui, j'ai anticipé que ce pylône pète. Parce que j'ai le doute. J'ai méchamment le doute. C'est bon. Cachez-vous, il y a l'autre couillon là-bas. Il va plus nous lâcher après. Oh non, pas lui, pas lui, pas lui, pas lui. Il balance des... Oh, oh. Alors il balance des espèces de petites bestioles qui se mettent sur les ennemis et les rendent particulièrement énervés. Et là il nous a mis... Il nous a gratifié de lui en énervé. Ça va être chaud. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on le dégomme. Ou qu'on dégomme au moins... Les petites bestioles qui sont accrochées à lui. Mais après, il nous lâchera pas un niveau aggro. Ça va être terrible. J'ai bien décrit la situation. On y go! Et mec, qui c'est qui fait gibier de... Oui, il faut court-circuiter cette puce là. Yes, on l'a eu, on peut y aller. Un de moins. Restez planqué les mecs. On y go. Y a un bleu là-bas. Mais il est derrière la barrière magnétique ou je rêve? On va voir et on va voir l'info très vite. Ah, lui, il en est mort. Ça, c'est bien. T'as pas un truc à nous filer du coup? Ça fait bizarre un petit passage sans musique et sans bruit d'agresseur. C'est limite étrange. Ça renforce l'étrangeté. Ta-na-na-na. Alors, y a comme un temple. Oui, comme un temple. Qu'est-ce qui nous réserve le pépère? Comme d'hab, ça n'a pas changé. Des évolutions. Ok, on va en profiter parce qu'on a salement reçu. On va être dans la... Je me retourne jamais, je fais jamais attention à ce qu'il y a là. Quel abruti. On peut avoir donc des armes spéciales. Ça commence à devenir vraiment There was très something strange about this new body, Trebon thought. It was powerful, but also a little frightening. They now had the ability to mix ingredients in order to create projectiles with which they could attack other creatures. This new power might be necessary for their survival, but they would have
to make sure to use it carefully, so they would never become as cruel as the servants of the cylinder. Ok, ok, ok. On y va, les gars? On va rusher. Prochaine tour. Allez, là-bas. On va essayer de se mettre à peu près en face, ce serait bien. Ouais, ce serait judicieux. Parce que le cylindre, s'il a envie de tracer, on sait jamais à quelle vitesse il va partir. Et il peut partir très vite. Hein. Et il a sa petite vie, ses humeurs. Slurp. Alors l'œuf de cristal, là, je sais absolument pas où on le trouve. Touchez pas la barrière magnétique, les potes. Hein. Là, on est à peu près bon, parce qu'après, ça va être, comment dire, moins bien. Ouais, c'est ça, moins bien. Qui fait tout ce raf là? Lui? Les couillons? Bon, qui a pas mangé? Parce qu'il va falloir tracer. Tout le monde a bouffé, on y va. Vous avez bu aussi, c'est important l'hydratation. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Alors il y a un super fossé, il va falloir qu'on tire soit dans le fossé, soit. Ah merde. Soit à gauche. Alors ça fait faire un détour, oui. Oh merde, on est obligé de tirer en face. Et trouver une issue pour monter. Je la vois, je la vois, je la vois. On est bon là, on est bon. Oui, le mode flipper. Bonne endurance en plus, ça c'est bien. Il en est où lui? Hop, 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 hop. Ma tour, elle est oux. Oh putain, je suis pas en face du tout. Non, elle est bon. On est bon. Ça, c'est la théorie, hein. Attends, la pratique, faut voir. Parce que vous avez vu que tout à l'heure, ça s'est très mal passé. Ouh, c'est un petit peu protégé, dites donc. Va falloir tracer là-dedans. On est bon. Je reprends de l'énergie, parce qu'il va falloir passer vite si ça s'active. Go! Suivez-moi, les gars. Yes. Yes! Ça, c'est une bonne famille. Attends, on va manger pour fêter ça. Qu'est-ce qu'il fout l'autre? Ah, il a fait le tour. Gros. C'est accueillant ici, en tout cas. Ok. The great Gar was neither a predator nor an immediate threat to the Trevor. However, obtaining whatever secret ingredient it kept in its air sac would be no easy task. For one thing, something in their memories told them that the sack was filled with poisonous oui. gas. And for another, how does one enter the body of a creature that can even devour sandstorms? Donc faudrait tirer des projectiles enflammés sur sa poche de gaz, tout simplement. Fallait pas rester à côté, les gars. Ok, toi tu vas devenir le bourrin de la team. Hein. On y go. Ça reste une grotte. Non, c'est juste de la lave. Donc l'idée, on l'a déjà. Fabriquer des projectiles enflammés pour tirer dans la poche de gaz du truc. Ok. Maintenant, si on peut trouver d'autres choses qui nous facilitent la vie, qui nous... Allez voir cette lumière bleue là. Mais lui, il va nous emmerder. Il a des yeux en plus. Donc il doit voir loin. On y va, les gars. Suivez-moi. Suivez-moi. Je vérifie dans la vallée s'il n'y a pas des passages qui seraient visibles d'ici.
Le truc sur les girafes là-bas, c'est n'importe quoi. J'adore ces bestioles, elles me font trop rire. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi il pleut des trucs là? Ah mais c'est explosif, mieux vaut pas rester dessous. Oui, l'apprentissage éternel. Aussi éternel que le grand cylindre. Ah c'est ça qui lâche ça en fait. Ok, donc faut pas rester trop à proximité, ça peut pas se passer bien. Ça peut même se passer carrément pas bien. Ah, il y a une couveuse par là, pourquoi n'y aurait-il pas un œuf? Hein, pour dire que la vie est belle. Genre, protégée par ces saloperies? Oui, j'y crois totalement. Oh, quel cochonnerie! Ça a pas de limite sur la longueur, c'est pas possible. Vivant? Ouais, j'entends qu'il est vivant, mais... Je sais pas où, mais... On l'entend clairement. Par où on passe, les gars? Il va falloir passer un moment. On passe à fond, allez, hop. Je vérifie s'il n'y a pas un œuf en fait. Hein. Je cherche juste un œuf à faire éclore. Alright. Bon, c'est pas grave. On est sur le truc bleu, c'est ce qui compte. Est-ce qu'on va ranimer quelqu'un? Moi, je suis pour ranimer. Topo, non. Il y avait Tupu. On l'a déjà. Y'a Wem, il est sympa Wem. Pourquoi je l'avais appelé comme ça? Bah parce que t'appelles tout le monde en réfléchissant, puis des fois Wem. C'était aussi simple que ça la raison. 5 cristaux pour Wem. Allez, on a le droit d'être 7, autant en profiter. Hein. Et notre rayon jaune, il est là. Qu'est-ce que c'est ça là-haut? C'est encore un faux? Putain mais c'est blindé de faux. Ils sont hallucinants quand même ces trucs. Ils sont bien faits, on croirait vraiment un vrai très bon, regardez. Et en fait, non. C'est un faux. Et il vous suit, gentiment, tranquillement. Mais ce fourbe est un traître à la patrie, à la fratrie. C'est gros, ça? Ouais, c'est très gros. Où est mon rayon? Ça y est, je l'ai paumé. Oh putain, il nous a suivis, merde. J'ai bouffé ça. The stench of these plants was too much even for peut-être ça va faire dégager, regardez. They would have to clean them, and thoroughly. Non, ça marche pas. Ok, on y va. Go, 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 go. Toujours là. Du coup, j'ai paumé mon repère. Je sais plus où je vais. C'est terrible. On va éviter de contrarier le gros truc. Quand il y a une ombre qui passe, c'est inquiétant en général. Ça doit être l'ombre du truc en question. Ouais, c'est ça. Ah, lui aussi, il balance des grenades, des trucs qui explosent. On va éviter dans un premier temps, ce serait sympa. Et on va se recentrer sur notre mission. Ah, ça y est, refocus. Ça aurait été long. Non, c'est un faux, lui. Y'a que des faux, là. C'est une arnaque. Ah, le rayon est fugace, quand même. Contraption at its center, but they did not know how to activate it. This must be why the Elder had told them that they needed the mutation from the Great Gar. Bon, ça marche pas, y'a rien à faire. Ça non plus, ça marche pas. On va s'arroser les uns les autres pour être en meilleure santé.
Et on va finir le stream là-dessus. Oui, car wesh. Avec des très bums dans The Eternal Cylinder. On se retrouve sûrement bientôt. Ah, ça fait du bien de rigoler un peu. Mais mine de rien, ça marche pour s'hydrater. On se retrouve très bientôt pour une probable nouvelle session dans The Eternal Cylinder parce que j'ai pas changé d'avis. J'aime toujours autant ce jeu. Il me fait délirer. Et je pense qu'il fera tout autant délirer les gens. Et ici qui m'en a mis dans l'œil là, c'est dégueulasse. Ha 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 ha.